fait plaisir de voir un stade Roi-Baudouin rempli à craquer. C'est bon. Oh, oh, je... Les huées du public, est-ce que c'est justifié d'après toi? Non. Bon, alors qu'on a évidemment les Tedesco d'émission qui retentissent dans le stade. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est à Belgique, Belgique-Italie, et ça a été un parcours du combattant pour arriver jusqu'ici. Mais on est là tout juste, on est là tout juste. Bon, Matteo, bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? C'est un match très particulier pour moi, ouais, vous savez, Matteo, très bien. Ouais, Matteo qui est à moitié italien. Belgo-italien. Belgo-italien, voilà. Et en plus, c'est son anniversaire, donc ça va être beau. Ça va être beau aujourd'hui, voilà, il est bien. Hein. Bon, voilà, un petit pronostic. Ouais, j'ai vu les deux effectifs, j'ai peur d'une défaite 1-3 de la Belgique. Ouais. Mais en vrai, ouais, il y a moyen d'avoir un très beau match. J'aurais dit 1-3 aussi. Allez, joueurs qui montent sur la pelouse, allez, c'est parti, mon vieux, on est chaud patate. Hein. On est chaud patate, mon vieux. On est très très chaud patate. Hein. Allez. C'est limite, allez, c'est bon, Matteo, ça. Allez, c'est bon, Matteo. C'est bon, Matteo. Maintenant c'est des choses sérieuses maintenant. Maintenant ça va avoir soin, maintenant c'est parti. Accompagné aujourd'hui. Belgium. Oui, Julien. Oui, bien le bonsoir. Il est là aussi. Voilà. Bien le bonsoir. Il est là. Voilà. Et ça fait plaisir de voir un stade Roi-Baudouin rempli à craquer. C'est bon. C'est bon. On a retrouvé un ami aussi. C'était où quand t'as vu à Düsseldorf? Ou à Stuttgart? À Stuttgart. On l'avait vu pour ceux qui ont vu la vidéo à Stuttgart. Voilà, c'est bon. C'est pour ceux qui le reconnaissent. Alors, il vient de Marseille. Hein, c'est beau. Ouais. De Marseille. On vient soutenir la nouvelle génération, tout ça. Voilà. Bon, et petite dédicace, John. On pense à toi, John. Et John qui a pas pu venir, petite dédicace pour toi, cette vidéo elle est pour toi, voilà. On espère une victoire, même si ça va être compliqué. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Mais... faut leur faire confiance, ça va être long, mais faut y arriver. On va les pousser, on va faire ce qu'il faut. Allez, on va faire les pronostics, on est avec 2-3 supporters. Ton pronostic pour aujourd'hui? Je dirais 2-1 pour la Belgique. 2-1 pour la Belgique? Ça serait bien. Moi je dis 2-2. Match nul malheureusement. Match nul. Allez, ben c'est parti, le match a commencé. Bon, évidemment, comme d'habitude, on voit rien, hein. on est super loin, donc en vidéo, ça va être très compliqué de vous montrer ce qui se passe, mais bon, vous avez l'habitude, on va essayer de faire un truc correct. Et au moins, on va profiter de l'ambiance dans cette tribune. Mathéo qui est partagé entre content et pas content. Je suis content au forum. Ouais, ouais, bah ouais. On était occupé de discuter, 0-1 pour l'Italie. Après 10 minutes de jeu. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as dit 2. Ça va aller. Trop facile, hein. Trop facile. Une défense mimolette, ça rentre comme dans du bug. Ouais, c'est pas fini, on y croit. Rien n'est impossible, évidemment, rien n'est impossible. Le parquage italien, Mathéo. Bien rempli. Le parquage italien. Le parquage italien. Il est blindé. Est vraiment bien rempli, ouais. Et même côté belge, j'ai pas mal d'Italiens, ce choix. J'ai pas mal de maillots bleus, dans les rouges et noirs. On sait qu'en Belgique, il y a une grosse communauté italienne. Mais ben là, ils sont partout. Hein. Le parquage, il est blindé. Franchement, il est bien rempli. Ça. Il y en a partout. La preuve qu'il y a des Italiens partout. Mathéo devant nous, en Belgique, qu'on a vu à Wembley. Hein. À Wembley. Qu'on avait vu à Wembley, qu'on avait interviewé d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir parce que c'était quand même exceptionnel. Une journée à Wembley avec la visite de 4 stades, enfin à l'extérieur, mais on a été voir 4 stades, c'était exceptionnel. Mathéo qui était là d'ailleurs. C'était incroyable. Franchement. Oh le bel! Oh le bel! Sur les huées du public, mais on va en parler juste après. Ouais, Mathéo, les huées du public, est-ce que c'est justifié d'après toi? Non.
Parce que même si Belgique joue pas à ce meilleur niveau, comme on a pu le voir déjà il y a deux fois, bah, en face c'est l'Italie qui joue un très bon football défensif avec une très bonne défense. Hein. Ouais. Faut pas oublier quand même que la différence de niveau entre la défense belge et la défense italienne, et même l'attaque normalement belge, c'est le meilleur, mais c'est compliqué quoi. À la mi-temps ici, il y a toujours une belle ambiance. Petite animation d'Henri PFR, voilà. C'est même bien ça. Moi. Notre ami Henri PFR qui est là, bah écoutez. Et ouais. Célébration des 127 caps de Toby Alderweireld. Alderweireld! C'est beau ça! Alderweireld! C'est bon goal quoi, c'est incroyable. Bon allez, bah, c'est tout ce qui te reste, hein, Mathéo. Pour ton anniversaire, santé. Ouais. C'est beau. Ceux qui savent pourquoi je c'est vous beau. Savent. Ouais, ceux qui savent, ouais. On est avec un supporter ici rencontré à la mi-temps, Monsieur Geoffroy. Comment allez-vous? Très bien. Déjà, je voulais dire que j'adore les vidéos que vous faites, c'est trop cool. Et mis à part ça, on a un peu du mal ce soir, mais j'espère qu'en deuxième mi-temps, avec le fait qu'ils vont être derrière nous, on va pouvoir un peu les pousser. Donc voilà. De toute façon, comme on dit à chaque fois dans les vidéos, les deuxièmes mi-temps sont toujours plus animés. T'avais un pronostic en début de match? J'avais une défaite 1-2, j'espère qu'on fera maintenant 2-1. C'est compliqué, mais on va voir ce que cette deuxième mi-temps nous réserve. On aura peut-être une belle surprise. Deuxième mi-temps, c'est parti. Sympa ces supporters qu'on rencontre, ça va être toujours plaisir. Franchement, on rencontre beaucoup de supporters à la mi-temps. Il y a en Belgique, c'est à côté de moi. Mais comme je le dis à chaque fois, si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Attends, la belle. Oh là là. Allez, la Belgique qui est remontée sur la pelouse avec des bonnes intentions, j'ai l'impression. Là. On est plutôt pas mal là, on a des belles. On est en attaque, attends. Allez, deuxième occasion pour la Belgique en l'espace de 5 minutes, même pas 5 minutes, 2 minutes. Oui. La Belgique qui est rentrée avec toute l'attention au deuxième mi-temps. Hein. Ouais. Je crois que je sortais du stade, il y a plus d'occasions quand je suis pas en stade. Allez. Ah, ah là, 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 là. 3-4 occasions là depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et un corner. Attends. Ouais. Allez. Boum. Oh. Ah. Allez. Oh. Boum. Attends, on a la 72e minute, toujours 0-1 pour l'Italie, mais on dit qu'il y a quand même la place pour égaliser, Mathéo. La Belgique joue mieux, la Selbik joue mieux qu'en première mi-temps, et franchement, il y aurait la place à égaliser, mais il faut être plus réalisant dans la finition, on va dire. T'as vu comme jouer. Oh là là. On a vite qu'ils ont 4 jeux pour simulation, là. Oh, nana, non. Il y a mes jeux, je crois, pour mal. Tu crois? Oh! Oh là là. Quelle occasion, mon vieux! Quelle occasion, Lukaku! La balle trop croisée! La tête de Lukaku, franchement, dommage. Dommage. Ouais, elle est belle! Oh! La Belgique qui pousse, la Belgique qui pousse, encore un corner, la purée, quelle frappe! Mais franchement, elle était pas mal. Elle était belge. Oh, purée, mon. 87e minute. Il reste 3. Allez, on va dire qu'il reste un bon 5 minutes. Un bon 5 minutes dans ce match. Oh là là. L'armada. Dis. On a évidemment les Tedesco d'émission qui retentissent dans le stade, comme la dernière fois. C'est déjà fini ? Bah c'est fini !
Bon bah défaite, hein, voilà, défaite, hein. Défaite de la Belgique, donc 0-1 contre l'Italie. Bah écoutez, ouais, on n'a pas eu. On a eu une deuxième mi-temps meilleure que la première, Mathéo. Mais ouais, des occasions trop timides. Hein. Trop timides. Hein. Les seules grosses occasions que la Belgique a eues, on a passé les conclure. Ouais. On peut dire la tête des croisés de Kagou qui passe à côté et après la tête de face aussi qui va aussi à côté. Donc bon, malheureusement, des grosses occasions ratées avec les Belges. Mais on a vu aussi des traités italiens avec une grosse, grosse occasion d'Anto. Donc. C'est pour toi ça, Julien. Elle est pour toi celle-là. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Rien, mais bon, la deuxième mi-temps était quand même meilleure que la première. Les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps étaient quand même bonnes, avec de très bonnes occasions. On aurait pu marquer ce goal qui égalisait. Ouais. Après, pas grand-chose sous la dent pour le reste du match, donc... Oui, on va conclure ici. Oui. Merci d'avoir regardé, Julien. Oui. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, merci Mathéo. Merci à vous, les gars. Ouais, j'espère ouais. que cette vidéo vous a plu. Ouais, bah écoutez, n'hésitez pas à soutenir Monsieur Tito. Vous savez, faire 10 000 likes avant le 31 décembre. Très compliqué de faire des vidéos comme ça quand il ne se passe pas grand-chose, mais bon, on fait ce qu'on peut, voilà. Petite vidéo tranquille à regarder avant d'aller se coucher, bien évidemment. Oui. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se retrouve dimanche pour la vidéo de Tubize tournée. Voilà, c'est beau. Il y a encore plein de matchs qui arrivent évidemment avant la fin de l'année. Donc ça va être sympa. Bon, merci beaucoup. Les gars, bisous. Ciao. Ouais, ciao, comme dit Radri. Comme dit Radri. Thank you for all. Et see you the next week. See you the next week, yes. Et pour les amis flamands. Pour les amis flamands, bonne action à la studio de la Resquire. Et une fois pour les Italiens. Grazie a tutti. Et ciao. Et ciao. Voilà. Grazie a tutti. Et ciao. Et le cappuccino, on va aller le boire maintenant, le cappuccino. Julien, merci. Salut les gars. Ciao. Ciao. Allez, bisous les gars, ciao. Viens me chercher un cappuccino, moi maintenant. Qu'est-ce que tu Viens me chercher un cappuccino.